Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, suite à ma première vidéo sur la pêche à la mouche en montagne, que j'ai fait avec le club Mouche au Doigt, des amis, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour faire ce genre de randonnée, voilà, randonnée pêche. Parce qu'il est important quand même de respecter quelques critères si vous voulez pas. Avoir des petits soucis parce que la montagne c'est spécial. Voilà. Alors, la première chose que je vous conseille d'avoir, bon, je vais vous faire voir la liste du matériel que j'utilise. Hein. Bon, même si vous voyez des marques, c'est pas grave, toutes les marques sont bonnes. Il s'agit d'avoir le produit qui vous convient. Alors, en premier lieu, un sac. Voilà, donc vous prenez un bon sac qui ait une bonne contenance, minimum. Je dirais 45 litres, celui-là c'est un 75 litres, c'est parfait. Après vous avez une bonne paire de chaussures. Or, n'hésitez pas à prendre des chaussures qui sont étanches parce que s'il pleut ou si vous marchez dans l'eau, d'avoir les pieds mouillés, c'est pas agréable. Surtout qu'en lac, on a toujours tendance à aller attraper les poissons en bordure, on met les pieds dans l'eau. Je peux vous dire que quand vous descendez avec des chaussettes mouillées, au bout d'une heure et demie de marche, vous allez avoir les pieds en compote. Donc, prévoyez une bonne paire de chaussures. Après, vous avez la gourde, indispensable, minimum 1 litre d'eau pour une journée. Parce que souvent, on va dans des endroits, on ne sait pas si l'eau est potable ou pas potable. Il peut y avoir des bêtes mortes dans les ruisseaux. Enfin bref, prévoyez minimum 1 litre d'eau. Un vêtement de pluie. Voilà. Une doudoune chaude, tout ça bien entendu du matériel qui est très léger. Hein. N'essayez pas de prendre des matériels un peu lourds parce qu'après, quand il faut monter, vous allez le sentir. Hein. Un pantalon pareil, le pantalon que j'utilise, c'est les pantalons en membrane qui s'étirent, justement pour éviter les frottements et une souplesse quand on franchit les obstacles. L'indispensable t-shirt de rechange parce que quand vous avez crapahuté, vous arrivez au bord du lac. Vous êtes trempé de sueur, vous avez le t-shirt qui trempe. Moi, souvent, je change aussi mon slip, quoi, parce qu'il est mouillé aussi. Donc, pour être plus à l'aise dans la journée, je prends 2 rechanges. La casquette, indispensable aussi. Parce que moi je prévois une casquette qui me pare aussi les oreilles. Parce que quand ça tape en montagne, je peux vous dire que il vaut mieux être bien protégé. Un pantalon de pluie que je prends toujours. Des fois il me sert pas, mais je le prends quand même. Et surtout une bonne paire de chaussettes que j'ai pas mis sur la table, mais une bonne paire de chaussettes. Après, point de vue matériel de pêche. Alors voilà, il y en a qui prennent des petites sacoches. Moi, je prends un gilet. Voilà, un léger qui est très léger. Voilà, ce gilet, il est très léger. Avec les accessoires classiques qu'on a, le coupe-fil pour les œillets, pour enfiler les mouches pour les aveugles comme moi. De quoi faire tenir les mouches que vous avez et les fils. Alors, comme fil, je prends du 15 centièmes. J'utilise toujours le maxima pour mes bas de ligne. Je prends du X de chez Yuki. Alors là, je le prends en différents centièmes. Du 14,8, du 13,3, du 12,4. Je prends également du 11,5. Et après, pour mes pointes, je prends un fil qui est beaucoup plus performant. C'est le fluorocarbone. Ceux qui font de la compétition le connaissent. Je le prends en 10 centièmes. Et je le prends en 9 centièmes. Après, indispensable évidemment, les moulinets. Alors là, j'utilise 2 moulinets de grande contenance. C'est les vieux moulinets hein, que j'utilisais à l'époque, hein, que j'ai toujours. Hein. Voilà. J'ai une soie WF6 et j'ai un shooting de 11 mètres avec, on le voit ici, le backing. Voilà, ça c'est pour aller chercher les truites au-delà de 30 mètres, 40 mètres parfois. Voilà, quand ça pousse, je vais aller chercher les truites très loin. Voilà, j'utilise les deux. Après, il y a une boîte à mouches, une boîte pour les nymphes. Alors voici ma boîte à mouches. Je vais vous présenter les modèles que j'utilise.
Vous voyez, c'est quand même, les boîtes sont assez fournies. Quand on part en montagne, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les truites qui mangent du poisson, qui prennent des mouches, il y a aussi les rhododendrons. Donc, prévoyez, si vous partez plusieurs jours, de quoi renouveler vos points de bas de ligne. Sinon, bon, c'est pas évident, quoi. Bon, voilà ma boîte à mouches. Alors, c'est du basique, hein. Je veux dire, c'est des montages qui sont très simples à faire, hein, mais qui sont très efficaces. Alors, voilà mes mouches de prédilection. Alors, Sedge, un tabanas, ça tout le monde le connaît, avec un petit pompon. Après, vous avez les imitations de Cialis que je monte avec un montage classique très peu fourni. Voilà. Alors vous le montez dans des tailles différentes, vous voyez. Ici vous avez toutes mes. Il y a un modèle. Ici vous avez du 14. Pardon, du 12. 14. 16. 18 à 20. Voilà. C'est important d'avoir toute cette série de taille. Après, vous avez l'échironome. Alors, l'échironome, moi je monte, je me casse pas les nattes non plus. Vous voyez, ça c'est un petit toupet blanc dessus qui parachute avec un enroulement de coque, un corps noir cerclé et un plongeant que j'ai légèrement plombé. Je m'en sers beaucoup pour pêcher la nymphe à vue. Vous voyez. Avec ça, sur les poissons à vue, ça prend une fiche, je vous le dis. Les gros modèles de mouches que j'utilise. Alors, vous avez un sedge en chevreuil. Voilà, un gros sedge en chevreuil. Ici. Vous avez ici des imitations de sauterelles. Voilà. Celui-là, il va très bien, il est très simple à monter et il marche très bien. Ça, je vais l'utiliser qu'il y a beaucoup de vagues, qu'il y a beaucoup de vent. Et après, vous avez aussi des sedges, mais très gros, très fournis, très fournis. Ça, c'est des hameçons de 12, de 8, pardon, tiges longues. Alors, certains modèles que j'ai sont vieux parce qu'à l'époque, je faisais de la compé, je montais beaucoup de mouches. Donc, souvent, elles sont montées avec des hameçons. Ardillon que je coupe quand je vais à la pêche. Voilà. Ça, c'est des mouches que j'utilise quand il y a beaucoup de vent. Et après, on a quelques palmers, quelques streamers, pardon. Voilà. Que j'utilise. Voilà. Voilà, tout ça, ça prend du poisson. Voilà, ça, je l'utilise souvent avec des soies plongeantes. Quand il n'y a rien en activité, quoi. Ça peut faire le sauve-bredouille. Et puis, voilà une mouche qui se prend un peu d'être, que j'appelle la cuver. Vous voyez, c'est assez flashy. C'est pareil, c'est un sedge. Mais j'ai mis un enroulement holographique. Derrière, un dubbing, tout vert. Et ça, souvent, ça peut faire, ça fait monter les mouches, les truites, pardon, du fond. Des petits diptères aussi qui vont très bien. Regardez. Des classiques. Alors, les fourmis, c'est pareil. Dans toutes les tables, vous les avez là, vous voyez. 14, 12, 14. 16. Et là, c'est des hameçons de 20 à 22. C'est des micro-petites, toutes petites fourmis. Et je ne sais pas si vous la voyez. C'est vraiment minuscule. Mais je les utilise souvent en rivière, celle-là. Je peux vous dire que ça cartonne. Hein. Mais il faut pêcher en 8 centièmes. Hein. Voilà, vous avez différents modèles. Hein. Vous voyez, vous faites un groupillon de canards. Vous faites
avec des ailes. Voilà. Ça, c'est fait avec de la plume de coq. Voilà. Plume de coq. La pointe. Hein. Et des parachutes. Voilà. Voilà. N'hésitez pas d'utiliser des grosses tailles. Hein. Parce que souvent, un lac, c'est des grosses fourmis. Après, la canne, très important. Pour les lacs, prévoyez des cannes en 3 ou 4 brins. Pourquoi? C'est pour le transport. Vous voyez le sac à dos? Voilà. Quand je porte la canne avec le sac à dos, ça dépasse très peu. Vous voyez, je ne peux pas toucher les arbres, ou très rarement. Évitez les cannes trop longues qui dépassent parce que vous risquez de les casser en heurtant les branches de sapin. Et ça, c'est fréquent en montagne. Donc, prévoyez des 3 brins ou des 4 brins. Moi, ma canne de prédilection, c'est une 10 pieds. 10 pieds. En soie numéro 6, en WF6. Pourquoi une 10 pieds? C'est à cause des rhododendrons qui sont derrière. Dans les lacs, souvent, c'est encaissé. Vous avez des inclinaisons et quand vous voulez fouetter, si vous prenez une 8 pieds et demi, une 9 pieds, pour lever la soie par-dessus les rhododendrons, vous allez avoir des difficultés. Donc il vaut mieux utiliser des cannes un peu plus longues, en 9-6 ou en 10 pieds. Moi, pour moi, la passe-partout, c'est la 10 pieds en WF6. Hein. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous donne mon point de vue. Quoi. 10 pieds, soie numéro 6, pour moi, c'est le compromis idéal. Un bas de ligne relativement long. Alors là, moi j'utilise des bas de ligne qui font 6 mètres. Je démarre en 52 centièmes. Je vous donnerai la cote lors du montage de la vidéo. Voilà, c'est le matériel que j'utilise pour les lacs de montagne. Vous avez vu mes mouches, vous avez vu ce que j'utilise. Il y a quand même pas mal de choses. Il y en a qui partent avec rien. S'il se passe une belle journée, il n'y a pas de souci. Hein. S'il fait beau, voilà. Mais souvent le temps est changeant en montagne et quand vous avez pris un orage de grêle en plein mois d'août ou en plein mois de juillet sur la tête, hein, les températures descendent à 0 degré, vous êtes bien content d'avoir une doudoune, d'avoir un vêtement pour vous protéger de la pluie, parce que si vous faut redescendre, qu'il y a 1h30, 2h, 3h, voire 4h de marche ou 5 des fois qu'on fait, avec un temps exécrable, je peux vous dire que la prochaine fois, vous prendrez le matériel. Voilà, si vous avez des remarques ou des petits conseils à me demander. Ah, j'ai oublié. Ce que j'ai oublié lors de ma première vidéo, malheureusement, c'est la petite épuisette. Hein. Voilà. Parce que souvent, en bord de lac, on a toujours une petite marche. On n'est pas comme en rivière où on peut glisser le poisson. Sur la berge. Là, les berges sont surélevées, dont la difficulté, vous le voyez lors de ma première vidéo, pour attraper le poisson. Si vous ramenez un poisson, que vous le gardez trop longtemps dans la main, que vous le tripotez longtemps pour faire une grosse photo, jolie photo pour montrer aux amis, d'accord, mais surtout, allez vite. Un poisson, il a du mal à se réoxygéner, il n'y a pas de courant dans les lacs, c'est pas comme en rivière, donc surtout les gros poissons. Hein. Les gros poissons, il faut faire très vite parce que si on pêche fin, comme moi je pêche toujours pratiquement 10 centièmes, hein, voire 8 centièmes, le poisson je le tiens un moment pour pas qu'il casse, mais de suite qu'il arrive au bord, je le prends et hop, je le rejette. J'évite trop longtemps de le manipuler, sinon les gros poissons, ils vont crever. Donc ce serait dommage. Quoi. Voilà. Si vous avez des remarques à me formuler, ou des conseils à me demander, n'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir que je vous en ferai part. Quoi. Voilà. Il n'y a pas de secret, en montagne c'est comme en rivière. Moi je suis un pêcheur qui pêche classique, je ne me casse pas les nénettes à avoir 50 mouches, je pêche souvent avec la même mouche, je pêche très peu en nymphe, en lac, parce que je fais souvent monter en sèche, hein. Sauf quand je m'amuse à pêcher à vue, des poissons un peu difficiles ou qui passent en bordure de lac, là j'utilise des nymphes. Mais rarement, le plaisir, c'est le gobage. Un poisson qui monte, on le voit,
Avec les lunettes polarisantes, ah oui, je vous l'avais dit, j'avais oublié de vous le dire, mais bon, prévoyez des lunettes polarisantes, très important aussi. Voilà, donc un poisson qui monte en sèche, c'est rien à voir avec sous l'eau. Voilà. Donc si vous avez voilà, des remarques ou des conseils à me demander, n'hésitez pas. Je suis à votre service. Allez, au revoir et à la prochaine vidéo. Que je vais vous faire à ce moment-là, je vais vous faire une vidéo sur la technique de pêche en montagne. Voilà.